Bonjour à tous, c'est Axel Braz. Aujourd'hui, je vais essayer de vendre l'oreiller qui est dans la poubelle. C'est l'oreiller de la racaille, il l'a foutu à la poubelle, donc je prends pas énormément de risques. Hein. Il devrait pas venir m'embêter. Je le vends juste. Bon, je l'ai mis à un prix très dérisoire. Il est à une centaine d'euros. C'est vraiment pas cher hein, pour cet oreiller. Vous mettez votre tête dedans, il prend forme de votre tête. C'est très très bien. J'ai un acheteur là qui va pas tarder. Donc bah, on va essayer de vendre. C'est parti. Bonjour. Je suis venu pour un oreiller. Pour l'oreiller à 100 euros ? Oui, 100 euros. Comment ça 100 euros ? Bah, j'ai pas d'argent. Ah, bah oui, mais moi je demande 100 euros. Ah. L'argent sans. Mais la centaine d'euros quoi. C'est 100 euros, j'ai pas d'euros en fait. Ah, et vous avez votre carte bancaire ? Non, bah j'ai assumé sans rien en fait. 100 euros. Ah, 100 euros, ok. Ouais. Bah ouais, bah ça vaut 100 euros. Hein. Donc ouais, vous pouvez venir avec. Ouais, c'est okay. Pas mal, 100 euros, c'est très bien. Ouais. Bonjour monsieur, vous êtes intéressé par l'oreiller? Qu'est-ce que tu fais là, garçon? Je vous reconnais, vous êtes la racaille? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux t'embrouiller là? Je vends l'oreiller, vous savez, à la tête. Ça, c'est mon oreiller, ça. Bah non, il est à la poubelle. C'est ma belle poule, là. C'est votre poubelle? C'est ma poubelle, c'est aussi mon armoire, mon placard à jouer. Ah, ok, c'est alors, reste tranquille. Enlève tes mains. Touche pas mon oreiller. Et les autres? Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est à moi, ça c'est mon oreiller pour le bonheur. Je l'ai mis là parce que j'avais peur qu'on le pique. Vous avez mis la bonne poubelle? C'est pas une poubelle, c'est un placard à jouer, je t'ai dit. Un placard à jouer? Un rangement définitif. Touche pas, il y a ma PlayStation, il y a ma Xbox. Alors, c'est quoi cette organisation? C'est qui lui là? Il est intéressé par l'oreiller. Il est intéressé par l'oreiller. L'araignée t'es à combien? Par l'oreiller. 100 euros, vas-y, 100 euros, vas-y, lâche. T'as les 100 euros là sur toi? Non, je suis venu sans rien. Comment ça sans rien? Bah 100 euros sans rien. 100 euros. Eh, t'es un comique toi. C'est quoi? C'est l'école des fans? C'est l'école du rire ici? Non, il est venu sans rien. Eh, vous m'avez pris pour un bouffon les deux. C'est quoi? Je voulais c'est qui a les 100 euros? Qui a les 100 euros là? Ouais, tu fais quoi? Eh, t'es le vendeur. Eh, Mister Manche là, donne les 100 euros. Mais wesh, t'as craqué. 200 euros là, tout de suite. T'as craqué, wesh. Et ton manteau, tes chaussures, tes baskets là, ton survêt là, t'as un iPhone, un iPad, t'as un Twix, un Mars, un Nuts. J'ai rien, mais. T'as un truc là, je prends un truc. Ah, j'ai ça. T'as quoi? Qu'est-ce que t'as là? Ah, l'iPhone X. L'iPhone X, direct. Donc ça, wesh. C'est dédommagement. Ça fait 50 euros. Donc il me manque 50 euros maintenant encore. Ah, j'ai rien d'autre. Ça va pas aller là, mon gars. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien. T'as rien? J'ai juste mon manteau, si tu veux. J'ai ma carte. Vas-y, donne. J'ai carrément ça, si tu veux. Ah, le larfeuille. Vas-y, c'est bon. Allez, dégage. Cassez-vous, là. Putain. Vous voulez me choucasse, mon coussin. Mon beau coussin. Ah mon coussin! Les amis, bon bah je sais pas comment ça s'est fini entre la racaille, je sais juste qu'il a repris son coussin. Le vendeur et la racaille, je crois qu'ils ont eu une petite dispute, je crois, j'ai pas appris, il a pris son portefeuille, je crois, un truc comme ça. Malheureusement, bon bah j'ai pas réussi à vendre l'oreiller, mais je reviendrai et cette racaille, je l'aurai et je le vaincrai.